Salut tout le monde, c'est Colibri et on se retrouve pour ce cinquième épisode sur notre let's play d'Elden Ring. Et aujourd'hui, on va embarquer dans un voyage inattendu. Mais avant ça, laissez-moi vous montrer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Il y a un boss ici. Je me repose à la grâce et je vais y retourner. Pas de boss là, non c'est bon. Comment ça? Où est-ce que je vais aller? Me dites pas que c'est vers un boss hein, sinon je pète un câble. Non, 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 non. No way. Attends, j'étais là. Et maintenant je suis là. Ok, vu que c'est une mine, je vais continuer de monter. Je vais partir du principe. C'est quoi ça? Mais je... Ils m'ont démonté les marins. C'est autoguidé. Et c'est autoguidé son truc. Au secours. Ok, je peux aller là. Là, je suis bloqué. C'est des monstres hyper résistants, bien sûr, sinon ce serait pas drôle. Okay, donc par là, c'est pas bon. Par là-haut. C'est pas bon, hein. Ça ne mène nulle part. Bah, c'est pas bon. Je vais tenter d'aller là-bas. En vrai, ça change énormément du coup de ma façon de jouer habituelle. Ça, c'est cool. En
En fait, je m'enfonce, mais je vais vers la sortie. Ça doit pas être si grave que ça. Déjà, j'arrive vers un site de grâce. Donc, au moins. Ça, je pourrais m'en sortir en me téléportant, mais. J'ai quand même bien envie de garder le peu de runes que j'ai. Puis en vrai, ça change un peu d'essayer de sortir. Ah non, c'est juste que c'est la hauteur de la caverne. C'est bien gentil, hein, mais. Wow, oh, l'endroit où je suis est terrifiant. Comment je fais pour partir? Musique est tellement flippante. Cité de la sorcellerie. Je dois bien vous l'avouer. J'essaie de sortir de là par mes propres moyens. Je sais que je pourrais me TP, mais je sais pas si je vais garder mes runes. J'ai envie de faire une connerie, mais vraiment une grosse connerie. Chevauche. T'es gentil toi? Non, t'es pas gentil. Secours. Je sais pas où je suis. Je sais pas où je vais. Je suis comme un gobelin de loot. Hein. J'ai beau avoir peur, je loot. Y a un géant. Je sais pas où, mais je l'entends. Il est là-haut. Balance des cailloux. Balance des cailloux. Des dépôts. Alors je sais que je parais très calme, hein, mais. Jamais été très explosif quant à ma peur. C'est quoi cet endroit? Excusez-moi. Sûr que si je me pose là, y a rien qui va m'attaquer? Où est-ce que je suis, bordel? What the fuck? J'ai bien envie de tester la fontaine de ces trucs, mais j'ai pas envie. Change cette route. Vous savez quoi, tant que je suis à cheval, il ne peut plus rien m'arriver maintenant. Peut-être un dragon, effectivement. Ça, c'est un type de truc qui peut m'arriver. Arrête, arrête. Non, mais sérieusement, où est-ce que je suis atterri? C'est quoi cet endroit de fou furieux? Regardez un peu le dragon, comment il était caché. À quel moment est-ce que je le vois? Enfin bref, je rentrerai quand même chez moi par mes propres moyens, peu importe ce qu'il en coûte. Je sens que ça va être un truc assez essentiel pour cet endroit. Humaine. Oh, c'est le monsieur que j'aime pas. C'est le monsieur qui a un aimbot. J'aime pas les longs couloirs où il se passe rien. Parce que généralement il va se passer quelque chose. Toujours comme ça que ça se passe. Enfin, en soi c'est un monde ouvert donc je peux faire ce que je veux.
Mais c'est sûrement pas ce que j'étais censé faire, si vous voulez mon avis. Bon, ouais, on en parle que je me suis téléporté genre de là à tout là-bas. Là, si je suis ma logique, revenir ici. Et après, il y en a un autre qui va me faire revenir là. Télescope. Je sais pas. What? Non, je suis vraiment juste à côté de l'arbre. J'ai legit envie d'y aller maintenant. Par curiosité. Du coup, nous, juste avant, on était là-dedans. Je me dis que, certes, je découvre sûrement trop pour ce que je vais faire au final aujourd'hui. J'aurais tant d'oublier ce. Enfin. Non, je pense pas, parce qu'en vrai, il me marque quand même pas mal d'endroits. Ok, il est l'heure de courir à toute vitesse. Se combattent entre eux. Premier degré. Mais non. Wesh la horde. Pétrification. La terre sur laquelle repose Kaelid et c'est là. C'était de la sorcellerie. Notre fin est proche. Oh, l'immersion de ce jeu est vraiment carrée. L'ambiance est folle. Premier degré, l'ambiance est folle. Comment ça, je peux pas utiliser mon. Anastasia, la dévoreuse de sans éclat, a envahi votre monde. Comment ça? Au secours! Comment ça me ref? T'es qui? Excuse-moi, t'es qui? Non, non, mais premier degré, t'es qui? Jusqu'à combien de temps? Jusqu'à ce que mort s'en suive, j'ai l'impression, mais. Attendez, j'ai juste tenté de l'affronter vite fait. Retourne dans mon. Son monde. What the fuck? Changement d'ambiance. On connaît bien l'entre-terre. Il s'est passé. Quoi, wesh? On a fait tout ça. C'est quoi tous les trucs que j'ai découvert? Portail de Celia. Celia, c'était de la sorcellerie, ouais. Et galerie Christine de Celia. Portail de Celia. Marchand nomade. Ouais, ouais, ouais. Oh la vidéo est dehors. Hein. Oh, il a sauté. Je suis très curieux. En dessous, s'il y a une grâce, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre pas loin. Je vais vite m'approcher pour voir si quand il me capte ce qu'il fait. Il a pas l'air très gentil, hein. Je crois qu'il m'a capté et qu'il vient me tuer. Oh mon ref, tu vas nager jusqu'à où là? C'est du sol là, hein. Il est où? Ok, je me barre. Au final, j'allais pas rentrer par l'endroit prévu, mais ça allait quand même marcher.
Ah, sur un cimetière, ça me rassure pas trop. Oh dear. Yeah, Mike. Hey. Terribly sorry. Are you here as a customer? Attendez, il m'a même pas capté. Non. Il a pas l'air spécialement méchant. C'est original. Bien sûr que je vais t'aider. Don't stop me, just keep clobbering with those down. Give it your all, I say. Gosh! Stop! Please! That's my face! Ah, c'est bon. Once lie the scarlet, rot blighted, calid wild. Upon their southern edge is Redmayne Castle, in which a festival of I'd heard whispers of such. Apparemment, cette personne irait vers l'est, exactement de là où je viens, pour assister à un banquet. Il faudra qu'on y retourne un de ces jours. Tout le monde est méchant là, tout le monde est méchant. Allez, je me barre. Au plaisir. Et un grand méchant. Tu nous fais quand même payer, hein. Après j'ai dit ça, je dis rien. Floating your boat, eh? Well, there's no. Et voilà, on est de retour. Après que je sois arrivé, je suis allé voir le deuxième souterrain des ruines qui m'avaient mené si loin. Effectivement. Bon voilà les gens, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça aurait été un sacré épisode et surtout une sacrée aventure. Je m'y attendais tellement pas, et en même temps ça m'a fait découvrir énormément de paysages, et une nouvelle ambiance qui va très très bien avec Elden Ring, et j'ai hâte d'être à cet endroit. Sur ce les gens, c'était Colibri, ciao.